Bienvenue aux 365 proclamations de Bemel. En tant que prophète et sacrificateur, accrochons-nous à toutes ces paroles comme une vertu qui nous accompagnera d'une manière quotidienne pour impacter cette année 2022. C'est parti! Il existe plusieurs façons de donner un cadeau à quelqu'un. Voici les cadeaux de l'année que je voudrais vous donner. Je vous donne le cadeau de l'avenir. L'avenir qui est le futur. Le futur est un point d'interrogation pour quiconque. Beaucoup de gens se posent la question, que me réserve l'avenir? L'avenir est devenu un sujet de frustration pour plusieurs. L'avenir est devenu un point d'interrogation sans réponse. Jusqu'à ce que le suspense commence maintenant à s'installer dans plusieurs personnes pour développer la fausse et la peur. Je te donne les cadeaux de l'avenir. Comment donc? Oui, l'avenir peut se donner par un cadeau sur le plan verbal. Je voudrais pour la première fois vous définir l'avenir. L'avenir c'est quoi? L'avenir c'est ce qui t'attend demain. Est-ce que cela doit-il être un sujet de frustration et de peur? Non. Pourquoi? Je t'ai défini l'avenir en tant que ton prophète. J'ai dit, désormais, l'avenir, c'est ce que tu vas devenir. Donc, l'avenir, c'est le devenir. Nous allons dire trois fois que l'avenir, c'est ce que je vais devenir. On y va. L'avenir, c'est ce que je vais devenir. L'avenir, c'est ce que je vais devenir. L'avenir, c'est ce que je vais devenir. D'avance, moi je t'ai béni pour que tu deviennes. Le fait de devenir une autre personne au-delà de celle que nous sommes, le fait de développer un progrès au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ça l'avenir. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'avenir, surtout quand on sait qu'on a un devenir. C'est ça le futur. C'est ça l'avenir. L'avenir a une situation et cette situation est positive. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit arriver. En tant que des personnes optimistes, ce qui doit arriver ne doit pas nécessairement être le négatif. La situation à venir doit... Et nous mettons ça dans le verbe devoir. Alors, c'est dans un impératif constant qui va nous caractériser. Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous allons devenir une nouvelle personne. Une personne évolutive. Et c'est ça l'avenir. L'avenir est lié à l'évolution. L'avenir, c'est cette personne qui sort de sa personne parce que lorsque Dieu nous a créés, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il y a le verbe former. Mais attention, lorsque Dieu forme, il utilisait juste la poussière. Dieu utilisait une terre argileuse pour former l'homme. Mais il a soufflé dans ses narines un souffle de vie pour que l'homme formé puisse se transformer. C'est ça l'avenir. L'avenir, c'est cet être qui a été formé, mais qui entre dans la phase de la transformation. Sois transformé, sors au-delà de toi-même, sors au-delà de la nature. C'est ça la bénédiction que je te donne pour cette nouvelle année, au nom de Jésus-Christ. L'homme qui a été formé s'est retrouvé avec le corps, l'esprit et l'âme. Mais au départ, ce n'était que la terre. La terre est devenue le corps. Le corps est devenu l'enveloppe pour garder l'esprit et l'âme. Et voici, la statue s'est transformée. Et elle n'est pas restée statue. Elle est devenue un être vivant. Et voici une statue qui a le corps qu'elle n'avait pas, qui a l'esprit qu'elle n'avait pas et qui a l'âme qu'elle n'avait pas.
Cette statue n'avait que la terre. Ça, c'est la loi de la transformation. Et c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est lorsqu'on est transformé. L'avenir, c'est lorsque, après un laps de temps, il y a quelque chose qui vient pour nous faire sortir de l'état initial. Et là, on est marqué et cacheté par une nouvelle réalité qu'on appelle l'évolution. Ainsi, l'avenir, c'est cette période où l'homme change de phase. C'est comme une chenille qui devient un papillon. L'avenir, c'est cette tendance qui vient faire à ce que nous puissions laisser une trace dans les temps. C'est-à-dire, l'avenir, c'est lorsque nous marquons les temps. L'avenir, c'est lorsque nous laissons nos empreintes avec les temps. L'avenir, c'est lorsque nous entrons en contact avec le temps afin de nous montrer ce que nous sommes devenus. C'est ça l'avenir. Voilà pourquoi je viens de dire que l'avenir, c'est le devenir. L'avenir, c'est le changement. Et le changement n'est pas du coup. Le changement est progressif. Le changement, c'est chaque jour. Chaque jour est un nouveau commencement. Chaque jour est un changement. Chaque jour, c'est de l'avenir. Alors, l'avenir, c'est maintenant. L'avenir, ce sont ces proclamations que je déclare qui sont en train de te transformer et d'une manière graduelle pour marquer cette année. Nous sommes en train de proclamer chaque jour, et chaque jour est une graduation qui nous amène vers l'idéal pour transformer ce que nous sommes aujourd'hui afin de sortir de la forme initiale vers une transformation. Et c'est ça l'avenir qui est dans un changement progressif. Ainsi, reçois le secret de l'avenir. N'aie plus peur de l'avenir. Pourquoi? Parce que tu es un être qui a été créé pour être transformé. Dès le premier jour de ton naissance, lorsque l'Seigneur t'a créé, il t'a donné la possibilité de sortir de la terre à devenir un être vivant. Alors, tu es un être créé pour être transformé. Cette année, quelque chose de neuf doit arriver. Cette année, tous les phénomènes seront positifs afin que toi, tu vives dans un programme qui est comme un système automatique qui t'amène à une évolution. Cette évolution-là, c'est ça, l'avenir. Ce programme vous a été présenté par Sion International, sous la participation du berger Moïse Luchico. Pour tout contact, moiseluchico@gmail.com.